Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui. Attendez, voilà. On se retrouve aujourd'hui sur. J'ai oublié le nom. Ça y est, ça commence. Le nouveau Prince of Persia. The Last Crown ou un truc comme ça, je ne sais plus. Bon, on va voir ce que ce. On va voir ce que le bébé donne. On va commencer une partie. Pas de données sur le. Sauvegarder sur le cloud. Ah oui, d'accord. Boum. Alors, exploration. Explorez le monde avec un minimum d'informations sur la carte. Choisissez le mode pour découvrir le monde par vous-même. Guidez. Des icônes sur la carte indiquent l'emplacement du prochain objectif. Et passage ouvert ou bloqué. Choisissez ce mode pour une navigation facile. Vous pouvez changer le mode à tout moment, par exemple en commençant par le mode exploration, puis le mode guidé. Ok. Je vais prendre ça. Alors, les joueurs qui veulent profiter de l'histoire avec un minimum de défis. Non. Une expérience de combat équilibrée pour avoir des défis relevés en explorant le mont machin. La difficulté standard du jeu. Dégâts des ennemis 1-1. Ouais, ça c'est normal, normal. Difficulté normale. Fenêtre normale. Taux de perte, y a pas. Héros. Ok, ça c'est si on veut vraiment. Non, on va prendre. On va passer sur du normal. On est parti. Cinématique, chut, chut, on se tait. Trente hivers sans pluie, trente étés sans blé. Les plaines du Fars étaient devenues aussi arides que le sel du désert de l'août. À quelques tirs de flèche de Persépolis, les Kushans, guerriers sanguinaires venus de l'Orient, attaquaient la Perse affaiblie. Ah, c'est la voix de Michonne. Enfin, la voix française de Michonne. Les Perses défendaient leur terre. Quel qu'en soit le prix. Michonne, personnage de la série Walking Dead. Ardashir résistait héroïquement. Mais ses hommes étaient tombés un à un. Anahita jetait ses dernières forces dans la bataille. Evishka, le général Kushan, savait que la victoire était assurée. Pourtant, l'histoire allait suivre un autre chemin. Les sept immortels étaient les meilleurs guerriers du royaume. L'un d'entre eux allait devenir une légende. Immortels en avant. Alors, Anahita. Ne t'en fais pas pour moi, ça va aller. Sauf Persépolis, je t'ai formé pour ça. Je vais aider mes guerrières blessées. Allons-y, Sargon. Alors, à part le côté les immortels machin, est-ce que cette bataille a vraiment eu lieu dans l'histoire? Est-ce que c'est un... comment on appelle ça? Un moment historique. Ok. Le saut.
L'épée. Ok, ça, ça glisse. Et quand j'appuie, ok, c'est... Avec direction, ça glisse. Sinon, c'est un double dash. Voilà, si je, vous voyez, si j'appuie une fois, dash. Si j'appuie deux fois, dash. Si j'appuie trois fois, ça marche pas. Et il n'y a pas de double saut. Ah oui. D'accord, il y a deux sauts. Soit tu appuies une fois, soit t'appuies, tu appuies. C'est épique. Soit tu appuies une fois, il saute jusque là. Soit tu maintiens et il saute plus haut. En gros, quand tu joues, tu restes. Enfin, pour ma part, hein, quand je joue et je saute, je reste appuyé sur le. Et donc là, ils expliquent le dash. Attention, c'est du rachabar. Une, deux, trois coups, ok. Trois coups. Une, deux et trois. Ah, qu'est-ce qu'il disait? M'attire pour sauter à travers une plateforme, d'accord. Et pareil pour redescendre bas et hop, on passe à travers la plateforme. Aucun d'entre vous ne sortira vivant d'ici. Alors, LT. Ah ouais, bah c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Faut que je retrouve LT. Ça doit être celui-là. Par une attaque ennemie. Ok. C'est L2. Ok. Ok. Je me laisse taper volontairement. Je vais essayer de voir le timing. Ok. Est-ce que de dos j'ai le timing? Je vais voir si ça marche de dos. Non, de dos ça marche. Je crois qu'il faut être face au mec. Non? Bon. J'ai pas le taille. Non, faut être face au à l'ennemi. Non mais je suis mort, mais c'est fait exprès, c'est le tuto, je testais le... Je teste le la parade. Ah, on peut toucher deux personnes s'ils sont collés, ok. Par contre, ils courent pas plus vite que ça. Aucun d'entre vous ne sortira vivant d'ici. Ah. Je suis mauvais, hein. Non, je... J'ai pas le timing. Ok, bon, il a pas de dégâts avec les pics. Ça va ? On s'amuse dans son coin ? Benolia, ça a libéré le passage. Suis-moi, Sargo. Ah, donc il y a la... Ah d'accord, c'est le bouton dash. Allez, cours, Sargo. On doit éliminer ces archers, Kushan. C'est pour moi. Ok, si je reste appuyé sur le dash, ça saute. Il m'a fait peur.
Viens. Je te laisse passer devant pour que tu rattrapes ton retard. Bon, apparemment c'est vague vague infinie. Alors, sauter contre... Donc, wall jump. Ah, le wall jump. J'adore cette mécanique. Pour pas monter. Les immortels, ne les laissez pas s'approcher du général Huishka. Bon, on est dans le tuto encore. Bon, là je vais affronter un boss. Attention, Sargon. Alors, attaque périlleuse. Œil jaune. D'accord, présente une opportunité spéciale. Parer avec le bouton de parage. Pour déclencher le contre-vengeur, donc c'est ça que j'avais vu. Voilà, tu le fais au bon moment, il le fait tout seul. Oh putain, il m'a fait peur. Je sais pas si on va pouvoir jouer les autres immortels. Je m'occupe de lui. Tiens, tu pourras en avoir besoin. Va donner quoi? Du soin? Attendez. Ah, petite lampée. Alors, donc, ouais, classique, quoi. Je sais pas combien s'armer, si c'est tout, si c'est 1, si c'est 2, si c'est 3. Huishka, oh, tu peux plus te cacher. Oh. D'accord, il y a des attaques chargées. Et vu le temps que ça prend. Je sais pas si vous connaissez un peu, mais eux avec les masques, ils me font penser aux immortels. Enfin, la fameuse. Rachabar, c'est ça? Ta vie s'arrête ici. À moins que ce soit la tienne. On va pas commencer à se vanter, hein. J'ai fait trop tôt. Je sais pas ce qu'il m'a fait, mais ça m'a fait mal. Et encore une fois, j'ai fait trop tôt. Petite popo. Alors, apparemment, ça redonne tout. Pourtant, le délai, il est... J'y arrive pas. Oh, joli.
Ok, j'avais pas. Ah, l'œil jaune. Ok, deuxième phase. Bon, ça se voit que c'est le début du jeu, je suis mauvais. On va se reprendre. Faudra que je m'entraîne sur le fait de parer. Alors, tu le fais ton attaque? Ok, donc là c'était script. Enfin, c'est entre guillemets, il attendait que je pars. Hein. J'ai compris que quand c'est l'œil rouge, c'est des imparables. Mieux vaut esquiver. C'est toi que la mort a choisi. Le Simorg, notre puissant protecteur, a quitté le ciel de Perse. Mais nos ennemis qui pensent pouvoir en tirer profit doivent savoir que les plus courageux guerriers du royaume sauront leur faire face. Il y a 30 ans, l'oiseau divin Simorg s'est posé sur mon épaule. Ainsi, il m'a désigné pour guider notre peuple. Aujourd'hui, moi, Tomyris, reine de Perse, je rends grâce à votre bravoure et votre loyauté. Varam, toi et tes guerriers avez une fois encore sauvé le royaume. Hassan, le prince de Perse! Avance, jeune Sargon. Tes exploits résonnent le long des murs de Persépolis. Reçois cette étoffe royale en témoignage de notre reconnaissance. Sargon, le Rachabar, le vent noir qui détruit tout sur son passage. Je n'ai pas choisi ce nom. Sois sans crainte. Je n'accorde aucune importance à ces superstitions. Les vents transportent aussi les graines des moissons futures. Je suis vraiment content de te rencontrer, Sargon. Merci, Prince Hassan. Oublions tous ces titres. J'espère qu'on aura l'occasion de faire connaissance dans un contexte moins protocolaire. C'est entendu, Hassan. Alors, offerte au roi, hein, une des plus hautes distinctions honorifiques réservée aux guerriers. Ok. Y a pas de buff, y a pas de debuff, y a pas de. Enfin, si, un buff, mais. Oui, donc, pour revenir sur les immortels, comme je disais, les Perses ont une armée, enfin avaient une armée, qui se faisait appeler les immortels en fait. C'était 10 000, enfin, ils avaient d'autres soldats, et il y avait un groupe qui se faisait appeler les immortels, c'était 10 000 hommes.
qui étaient... Je sais plus s'ils étaient masqués ou... En gros, c'était une armée de 10 000 hommes. Ils les appelaient les Immortels parce que quand ils allaient au combat, c'est des souvenirs que j'avais lu il y a longtemps, mais quand ils allaient au combat, dès qu'il y en avait un qui mourait, il y en avait un de la réserve qui revenait dans le groupe pour refaire 10 000 en fait. Et on avait toujours l'impression qu'ils étaient 10 000. Nous te devons cette victoire, Shabar. Je suis heureux que tu sois dans notre camp. Méfie-toi. On dit que le Rachabar sème la ruine et la destruction. Je ne crois pas à ces histoires. J'ai vu de mes propres yeux ce que tu valais au combat. C'est tout ce qui compte pour moi. Longue vie à la dynastie Tomiris! Ton nom inspire l'espoir chez les Perses et la peur chez l'ennemi. Peut-être. Pardon, j'ai appuyé avant qu'il finisse. Tu sais, je n'ai pas demandé à être prince non plus. Mais je dois accepter mon destin. Varam, à part nous, les immortels se sont éclipsés. Ils sont sûrement déjà sur les toits pour fêter ça. Le faste du palais, c'est pas vraiment leur élément. Vas-y, Sargon. Je vous rejoins dès que je peux. Tu t'es bien battu, Sargon. J'ai terrassé Uvishka. Persepolis est sauvée. Vraiment ? Des milliers de morts sur le champ de bataille. Nous n'avons plus aucune ressource. La Perse survit à peine. Et les Kushans reviendront, c'est sûr. Tu appelles ça une victoire ? J'ai laissé parler mon orgueil. Le chemin du guerrier ne s'arrête jamais. Et quand il n'y a plus personne en travers de sa route, alors il se demande... Qu'est-ce qu'il y a au bout de ma lame ? Oui, je sais. Tu as trouvé la réponse ? Je pense pas y réfléchir ce soir. Ou alors peut-être autour d'un verre ? Viens avec nous. Merci. J'ai autre chose de prévu. Tu as tout pour devenir l'un des plus grands guerriers, Sargon. Je sais. Et tu le verras. Et écoute, Varam. Il t'aidera à rester sur le bon chemin. Longue vie à la dynastie Tomiris. Ok, donc il me bloque. Ah oui, c'est ça que je voulais voir. D'accord, si je tape en courant, il fait un coup de pied. Ok. Et comme ça non, il fait pas le coup de pied. Ok, faut pas monter. Enfin, pas en l'air, mais dans. Je peux pas aller là-bas. Je te jure, si ça se trouve, le prince Hassan, c'est mon fils. Arrête, Rod. Il te ressemble pas du tout. Il tient de sa mère, c'est tout. Rod, t'es pas son genre. Pas le genre de qui? Ah, le gamin a finalement décidé de nous rejoindre. Le héros du jour. Le nouveau protégé de la reine. Alors, tu fréquentes l'aristocratie maintenant? Cherche à troquer tes épées pour devenir un satrape? Allez-y, lâchez-vous. Mais rappelez-moi, qui a éliminé un général ennemi ce soir déjà? Va pas dans leur sens, Sargon. C'est leur manière de dire qu'ils sont impressionnés. Ah, il a raison. Tu as été incroyable. Si tu veux être plus tranquille pour parler, je suis juste là-bas. Pardon, cette femme-là,
Nef. Voix française très connue. J'arrive plus à mettre le doigt sur. J'ai déjà entendu tellement de fois dans les jeux vidéo et dans des séries, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Sur un truc un peu marquant. Varam était avec toi ? Oui, il est encore dans la salle du trône. Probablement pour récupérer notre solde. Quel solde ? Artaban se fait payer uniquement en vieux parchemin. Je t'entends, Ménolias. Pas mal, gamin. Pas mal. Comment ça, pas mal ? Encore quelques années, et peut-être, peut-être, tu pourras te mesurer à un adversaire sérieux, comme moi. Je pense que tu veux juste pas te faire botter le cul là devant tout le monde. Tu peux toujours rêver, gamin. Va voir Nate, elle t'attend. Ah, pas, c'est Nate, excusez-moi. Alors ? Tu te rappelles encore de nous maintenant que t'es célèbre ? Oui, bien sûr. J'essaye surtout de comprendre ce qu'il y a au bout de ma lame. Ah, je vois. On dirait qu'Anaïta t'a remis les idées en place. À sa manière. Ouais. Tu sais, c'est incroyable ce que t'as fait. Tu peux être fier de toi. On l'est tous. C'est un des nôtres qui a éliminé le général Kushan. Bravo. T'es aussi la fierté du lion blanc, on dirait. Bande d'immortels. Vous avez toujours été fait pour la grandeur et la gloire. Et avec le dernier haut fait de Sargon, on va encore remplir les livres d'histoire. On a sauvé la ville. Le peuple a retrouvé la paix. Ah oui, la paix, tout ça, parfait. Mais du coup, quand est-ce qu'on va fêter ça ? Ah, je veux dire, là où on sert le manger et le boire. Varam, tu viens avec nous ? Je ne rate jamais ça. Varam ! Le prince Hassan s'est fait enlever. Des ravisseurs ? Ils sont sûrement encore dans le palais. Vas-y, Sargon. Tu es l'un des derniers à avoir parlé au prince. Il faut retrouver le prince Hassan. Les gardes d'Anaïta ? Ah, j'ai pas vu qu'elle m'attaquait. Ah. Voilà. Le truc que je déteste en fait dans les jeux, enfin dans certains jeux, c'est que quand je m'attends à ce qu'elle va attaquer, je me fais ma parade, enfin j'appuie sur le bouton parade. Sauf qu'ils font ah, et qu'ils font un temps et après ils tapent. Mais j'ai pas le réflexe, moi j'ai le réflexe de ah quand il fait le cri. Ils font un stop et après ils tapent. Et dans plusieurs jeux, ça me le fait. Vous voyez, quand elle a crié, j'ai attendu une demi-seconde avant de faire la parade parce que. Oh là, qu'est-ce qu'il nous fait, Ultra Instinct, là ? Alors, l'entrée et l'énergie sacrée qui brûle dans chaque être vivant. Au combat, le plus grand guerrier peut contrôler leur atra. Intensifiant sa lumière pour utiliser des capacités exceptionnelles. Bah, les couilles. Les actions offensives de Sargon permettent d'accumuler de l'antra tandis que subir des dégâts en fait perdre. Ok, donc quand je tape, je tue des mecs, je fais agrandir la barre. Ok, une fois la jauge pleine, il en existe plusieurs qui consomment des quantités différentes. Maintenir LTX peut utiliser le premier éclat. D'accord, ça peut être cool. Si même ma barre elle est pleine, il y a un gars qui m'attaque, je fais la parade et derrière je claque la super. Genre.
ou je le fais pendant, mais bon. Non mais c'est à l'infini, ouais j'ai l'impression que c'est à l'infini. Hein. Anaïta, mais qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas prévu de te tuer, Sargon. Reste en dehors de ça. Écarte-toi. Toujours un enfant. Je te retrouverai, Hassan. La danse du sabre, c'était pas juste pour le style. Un nom? Non? Non. L'œil rouge, peut-être paré ou interrompu. J'ai pas fait gaffe, je lisais. Peut-être interrompu ou je sais pas. Avec elle. Non, ne peut pas. Ok, c'est ce que je disais. Bah il se fout de ma gueule, depuis tout à l'heure je fais la super. Enfin la super le... Ah. Ok, j'avais appuyé, c'est pas grave. Pas cramer ma bouteille, mais bon. J'ai l'impression qu'il y a un... Je peux pas dasher quand je veux, en fait. Ça, c'est pas cool. Anaïta, qu'est-ce qui se passe? Sargon, c'était qui? J'ai cru apercevoir Anaïta. Est-elle impliquée? Oui, c'est bien elle. Aucun doute. Varam, rassemblez vos guerriers. Partez immédiatement au mont Kaf pour retrouver le prince Hassan. Ardashir et ses soldats sont déjà sur ses traces.
Ils auront besoin de votre aide. Vous pouvez compter sur nous, Majesté. Ramenez-le. Ramenez-moi mon fils. C'était pas une immortelle La femme qui nous a trahis? Parce que là, je compte 7 cavaliers. Ils avaient dit que les immortels étaient 7. L'ancienne citadelle. Anaïta a emmené le prince derrière ses portes. Je ne comprends pas dans quel but Anaïta a pu faire ça. Sargon, tu la connais bien. Qu'est-ce que tu en penses? Ça n'a aucun sens. Elle a toujours été loyale. Elle veut prendre le pouvoir pour elle seule. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Le dieu Simorgh a disparu, mais il vivait là, au mont Kaf. Il y est peut-être encore. Depuis toujours, c'est le Simorgh qui nomme les rois et les reines. Anaïta veut sûrement obtenir sa bénédiction. Mais pourquoi enlever le prince Hassan? Elle en a besoin. La porte du temple du Simorgh ne s'ouvre que pour les membres de la famille royale. Elle a perdu la raison. Elle n'aura jamais la bénédiction du Simorgh comme ça. Je ne parierai pas là-dessus. Le Simorgh est peut-être affaibli. Une chose est sûre. Le prince Hassan est en danger. Elle le tuera dès qu'elle n'en aura plus besoin. Immortel, allons-y. Nous pouvons prêter main forte à Ardashir et retrouver le prince. Attends-moi ici. Ne t'inquiète pas, je ne serai pas long. C'est là qu'on va faire une courte... Enfin, on va faire une... Ouais, on va finir le premier épisode ici. Et puis on repartira de plus belle. Peut-être le prochain épisode sera plus long. Là, c'était la découverte, le comment on appelle ça? Ouais, le didacticiel, quoi. La découverte, le tutoriel. Et on reprendra là. Et puis on verra, peut-être je ferai un stop après le premier boss, ou ça dépend combien ça dure. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et à ciao les amis.